Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Résiste à cette ultime bataille. Affronte la force du métal. Sans peur et sans doute, faut gagner tout que coûte. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Dans le dernier épisode de Beyblade, Jinga est toujours déçu par la défaite de sa toupie Storm Pegasus au cours de son duel contre Ryuga et sa toupie Lightning El Drago. Jinga parle à Kenta de son enfance dans le village de Koma. C'est là que Jinga a été initié au Beyblade par son père Ryo. Tout a changé pour Jinga et son père quand Doji est arrivé sur la montagne Agane avec Ryuga, déterminé à voler la toupie interdite El Drago. Après avoir récupéré El Drago, Ryuga est défié par Ryo. Un terrible duel Beyblade s'engage. Storm Pegasus, la toupie de Ryo, est battue par Ryuga et El Drago, tandis que le petit Jinga regarde impuissant. Les montagnes s'effondrent, Ryo confie Storm Pegasus à son fils qui reprend ainsi le flambeau. Kenta ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Jinga, il a laissé ça ! Mes amis, je vous remercie pour tout. Et au revoir. Mais on dirait que c'est une lettre d'adieu ! Mais c'est pas possible, c'est une blague ! Il m'avait promis qu'il m'emmènerait combattre avec lui aujourd'hui. Pourquoi il est parti comme ça sans rien me dire ? Pourquoi, Jinga ? Pour l'instant, je n'ai pas le droit d'utiliser une toupie. Je suis vraiment, vraiment désolé, Kenta. Bon, alors maintenant, on doit aller par où? J'aimerais bien le savoir. La sortie est par là. C'est quoi le plan? Alors, vous venez ou quoi? Ok, Kyoya, on te suit. Attendez-nous! Tu es sûre que ta valise est assez grande? De quoi tu parles? J'ai dû prendre la plus petite, j'étais pressée. Alors c'était donc ça l'histoire de Jinga? Jinga est tellement optimiste, jamais je n'aurais imaginé qu'il avait un passé aussi triste. Mais pourquoi Jinga? Pourquoi nous as-tu quittés sans rien dire? J'arrive pas à y croire. Peut-être qu'il ne voulait pas qu'on s'inquiète pour lui, mais là... il a raté son coup. Je suis quand même très inquiète. On reste concentrés. Alors, il se trouve au village de Koma. C'est bien ça, Kenta? C'est possible, oui. Comment ça, c'est possible? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je veux dire que c'est le seul endroit dont il m'ait parlé où je crois qu'il pourrait être. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Quand le cœur de quelqu'un est blessé à ce point-là, il est naturel qu'il ait envie de rentrer chez lui, non? Bah, qu'est-ce que j'en sais, moi? La seule façon de le savoir, c'est d'aller là-bas pour voir. Hé, les amis! On pourrait pas ralentir, juste un tout petit peu. Madoka, tu veux que je t'aide à porter ta valise? Non, ça va bien. Attaque, défense, endurance, équilibre, répartis selon la nature de leur toupie. Ils ont été entraînés jusqu'à ce qu'ils atteignent leur niveau maximum. L'escadron d'élite de la nébuleuse noire. T'imagines que ça fait peur à El Drago? Allez-y, lancez-moi tout ce que vous voulez! Ouais, rugis encore, El Drago! Ouais! Ce n'est pas encore assez.
El Drago n'est pas satisfait. Il en veut plus, toujours plus. Ryuga, jusqu'à quel point es-tu capable de devenir fort? Arrêtez de plaisanter. Qu'est-ce qui se passe? Kyoya? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est juste mon imagination. Oh. Je me sens renaître à la vie. Il faut qu'on y aille. Il y a plus de temps à perdre. Le soleil va se coucher. Ouais, on y va tout de suite. Oh non, déjà? S'il te plaît, encore quelques minutes. Oh, Kenta, qu'est-ce qui t'arrive? Non, juste une grosse crampe au pied. Ce n'est pas grave, heureusement. Tu vas pouvoir marcher? Il ne manquait plus que ça. Encore des bagages en plus à porter. Quoi? Je veux savoir qui tu traites de bagages. Tu n'as pas le droit de nous parler comme ça. Avec quoi tu viens, toi? Et pourquoi c'est moi le méchant tout d'un coup? Je suis pas votre porteur, compris? Dark Bibibibibil! Pourquoi moi? Dark Bibibibil! Dark Bibibil! Dark Bibibibil! C'est bien fait, ça te rendra embêter les abeilles! Oh, grand pompier! Là là, les amis, ça m'a l'air bon, tout ça. Eh bien, serre-toi, qu'est-ce que tu attends, Benkei? T'as raison, hop, à l'attaque. Oh, arrête, Benkei, tu ne peux pas prendre tout ça au jambon. Oups, désolé, je l'ai pas fait exprès. Tu dois manger aussi ce avec des crues. Espèce de gros cochon, estomac sur pâte, c'est pas chouette, ça va pas presque pas, d'abord. Au jambon un peu tout seul. Emmène-nous immédiatement, gros dégoûtant. Tu vas arrêter avec ton histoire de jambon, c'est trop tard, de toute façon. Bah quoi, je suis plus costaud que vous, donc je dois manger plus, c'est comme ça, un point c'est tôt. Alors mange aussi ça avec les crudités. Merde, les crudités, c'est pour les lapins. Pas nos cas, les avez pour nous, on doit partager. Oui, mais c'est moi le plus fort, alors fiche-moi la paix. Bah, je t'afficherai la paix quand tu m'auras donné du jambon. Crache le jambon, Benkei. Tu rigoles, je ne le cracherai pas. On s'en fiche du jambon, tous les sandwichs ont disparu. Qu'est-ce que tu dis, Benkei? Je les ai pas tous mangés. C'est lui, là. Ah, mes sandwichs! Je ne les ai pas faits pour les singes! Oh non, merde, on n'a plus rien à manger maintenant! Puisque c'est comme ça, salut! C'est ça, salut! Donc les chemins de nos amis se séparent. Quelle grosse brute! Il ne sait rien de rien! Quel goinfre! Je te le fais pas dire! Benkei n'est rien d'autre. Une plaie, voilà. Dark Bubububububul, vas-y, attaque suprême du taureau. C'est tout à fait lui. Bravo, c'est parfait. Mais d'un autre côté, il n'est pas si méchant que ça, pas vrai? T'as raison. Il pense toujours à ses amis en premier. Et il nous aide beaucoup. Comme aujourd'hui, il est venu nous aider à trouver Jinga. Il n'était pas obligé, mais il était inquiet pour lui aussi. On se réconciliera quand on le retrouvera à Koma. D'accord, bonne idée. Essayons d'y arriver les premiers pour le surprendre. Yahoo! Jinga? Ils sont vraiment incroyables. Ces deux-là, je te jure, rien que de penser à eux, ça me met dans une rogne noire. Très intelligent. Ouais, ça tu l'as dit. Non, c'est de toi que je parlais. Tu t'énerves pour des trucs sans importance. Hein? Qu'est-ce que tu es censé faire en ce moment, Benkei? Chercher Jinga, bien sûr, je sais, mais c'est juste que ces deux-là m'ont... Alors concentre-toi uniquement là-dessus, d'accord? On n'a pas fait tout ce chemin pour faire un pique-nique, je te signale. C'est vrai, je m'excuse, Kyoya. Ça va, ça va. Madoka, sois prudente, surtout. Oui, et toi aussi. J'espère au moins qu'on est sur le bon chemin. Oui, ça a plutôt intérêt, après tout ce qu'on a traversé pour le trouver. Arrête, surtout ne regarde pas en bas. Ah! Madoka, non! Ah!
Alors, ça va mieux? Coucou, tu m'entends? Oh. Madoka, est-ce que tu vas bien? Je me rappelle être tombée d'une falaise. Mais j'ai été sauvée! J'ai eu une chance incroyable! Je suis désolée, ta valise n'en a pas eu beaucoup par contre. Quoi? Oh non, pas de chance! Je suis tellement désolée pour toi. Ça va, ça ne fait rien. Je suis déjà très heureuse d'être encore en vie. Mais, et toi, tu es qui? C'est lui qui nous a sauvés pendant qu'on dégringolait de la falaise. Ah oui, je te remercie. Je suis Madoka. Et moi, c'est Kenta. Mon nom à moi est Yoma. Une partie de mon nom vient d'une montagne. Et l'autre vient d'un monstre. Ça a donné Yoma. Une partie vient d'une montagne? Et l'autre partie vient d'un monstre? Oui, exactement. Ne vous inquiétez pas, je ne suis ni fou ni dangereux. Enchanté. Enchanté. Mais tu n'as pas du tout l'air d'un fou, n'est-ce pas, Kenta? Non, pas du tout. Le village de Koma? Non, je n'en ai jamais entendu parler. Je suis juste venu ici pour cueillir quelques fleurs de montagne. Ah oui, je vois. C'est très chouette, ça. Et pourquoi vous cherchez ce fameux village de Koma? Eh bien, on veut... En fait, on doit retrouver quelqu'un là-bas. Ah oui, alors vous cherchez quelqu'un. Et c'est très très important. Oh, Kenta, voyons, tu n'as pas honte. Qu'est-ce que tu penses de lui? J'en sais rien, pas grand-chose, et toi? Je n'avais jamais entendu personne dire ce genre de choses, que son nom vient en partie d'une montagne et en partie d'un monstre. Ce garçon est différent des autres. Et dire je ne suis ni fou ni dangereux, ça donne l'impression de l'être, justement. Oui, c'est vrai aussi, ça. C'est bizarre, il ne revient pas. Pourtant, il nous a dit qu'il n'allait pas très loin. Moi, j'ai cru qu'il avait juste besoin de faire pipi. Yoma? Mais où étais-tu passé? Désolé pour l'attente, j'ai été vous chercher quelque chose à manger. C'était délicieux, Yoma. Merci pour ce repas. Pas de problème. Mais c'est vraiment incroyable qu'en tellement peu de temps, tu aies pu attraper autant de poissons. Et puis, où est ta canne à pêche? Hein? Comment tu as fait pour les attraper? Ce n'est plus très important, n'est-ce pas? Vous êtes bien sûr que vous voulez vraiment le savoir. Peut-être que non, après tout. Non, finalement, on s'en fiche. Bon, c'est le moment de se remettre en route. Merci encore pour ton aide. Il n'y a pas vraiment de chemin praticable par ici et il fait noir, même si c'est la fin de l'après-midi. Il y a des serpents venimeux, des sangliers, des ours. Vous êtes sûr que vous allez vous en sortir tout seul? Tout ça n'a pas d'importance. On continue, rien ne nous arrêtera. Hein? Il faut absolument qu'on aille au village de Koma. On doit retrouver Jinga coûte que coûte. Ah, Jinga. Alors c'est ça le nom de la personne que vous êtes venu chercher. Ce Jinga doit décidément être quelqu'un d'essentiel pour que des enfants comme vous entreprennent ce long voyage jusqu'à cette montagne dangereuse. Oui, il est essentiel. Essentiel pour nous, c'est notre meilleur ami. Son amitié doit beaucoup compter pour vous. J'aimerais en savoir davantage. Seriez-vous d'accord de m'en dire un peu plus au sujet de votre fameuse amie? Un jour, Jinga est arrivé dans notre ville. Ce qui fait la différence entre la défaite et la victoire, c'est l'esprit du Blader. Surtout, n'oublie jamais cette sensation. Si tu as vraiment l'envie de gagner, tu donneras le meilleur de toi-même. Et dans les circonstances les plus difficiles, Kenta. Un duel ne consiste pas à détruire la toupie de son adversaire. Ça consiste à lier une amitié et à l'entretenir au cours des combats. En jouant au Beyblade avec Jinga, nous avons pu grandir et devenir meilleurs. Mais maintenant, notre ami a perdu confiance en lui parce qu'il a perdu une bataille contre un très ancien rival. Alors c'est à nous de l'aider cette fois. Mais Jinga ne voulait pas qu'on s'inquiète pour lui. Il voulait gérer ça à sa façon. Alors il s'est éloigné de nous. Pourquoi? Pourquoi tu ne nous as pas fait confiance, Jinga? On aurait compris.
J'espère que vous retrouverez votre ami. Je l'espère de tout cœur. Hein? Oui, votre inquiétude pour votre ami Jinga m'a terriblement touché. Si vous voulez bien me suivre, je vous montrerai un chemin plus sûr vers le village de Koma. Il y a une rivière là-haut. Si vous suivez son courant, vous éviterez le passage le plus dangereux. Oh, merci, Yoma, grâce à ton aide. Il est parti. Hein? Comment ça, parti? Il s'est volatilisé. Oh non, c'est pas vrai, encore une impasse. Arrête de te plaindre, on va trouver un autre chemin, c'est tout. Dark Pupupule, j'en ai marre. Ça fait une éternité qu'on cherche le village de Jinga. Pupupupupule. Ah non, pas encore les abeilles, non. Elles font mal, celles-ci. Hein? Alors, tu ne vis pas sur cette montagne? Non, non, je suis venu pour récolter du miel. Du miel? Quelque chose ne va pas? Non, rien, j'adore les abeilles. Ça veut dire que tu ne connais sans doute pas le village de Koma. Non, désolé, je ne peux pas vous aider. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un d'autre sur cette montagne? Quelqu'un d'autre? Qui? Nos copains, Kenta et Madoka. Non, je ne vois pas. Fais pas l'idiot, comment ils connaîtraient leur nom? Ouais, t'as raison, c'est bien vu ça. Un petit pleurnicheur haut comme ça et une fille qui joue tout le temps les chefs. Elle est à peu près de cette taille. Non, pas de chance, les gars. Je n'ai vu personne. Bon, bah tant pis. Oh. Encore, mais c'est pas vrai! Un cul-de-sac, pas de chance. On fait demi-tour? Tu rigoles, on peut faire mieux que ça. On va passer au travers, simplement. Puisqu'il n'y a pas de passage, il n'y a plus qu'à s'en défoncer un. Démolis tout. Attaque suprême du taureau. Alors, t'as vu ça? T'as vu le pouvoir de mon taureau? Oui, c'est fantastique. Ta force combinée à celle de cette toupie d'équilibre, je parie que personne n'arrive à vous battre. Ouais, tu l'as dit, mon frère, et maintenant vous me suivez, moi et mon taureau. T'as l'air d'en connaître un rayon. Hein? Un rayon sur quoi? Sur les toupies, tiens. Tu ne serais pas un blader, toi aussi? Un blader, c'est quoi ça? De quoi tu parles? Je ne te comprends pas très bien, là. Ah, c'est là que tu te cachais, Bulle. Hein? Hein? C'est une blague ou quoi? Des abeilles déplacent pas un tas de bois. Un sanglier! Touché! Mon Dark Bulle! Si seulement je pouvais avoir mon Dark Bulle! Va-t'en, tas de poils! J'en peux plus, maman, j'en peux plus! Non, mais c'était quoi, ça? Ah, c'est fini, j'en peux plus! Je veux rentrer chez moi! Ce chemin est bien plus facile à suivre! C'est gentil à Yoma de nous l'avoir indiqué. Mais il était quand même un peu bizarre, non? Oh que oui! C'est drôle qu'il ait disparu comme ça! C'est qui, ça? Benkei, Kyoya et... Oh? Yoma? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas comment, mais je suis sauvé! Le sanglier a eu peur quand l'arbre est tombé par accident. C'est ce qu'on appelle un heureux hasard. Un heureux hasard? Tu parles, mec! Mais pourquoi il ment? Hé! Hey Salut! Ça alors, c'est Kenta et Madoka! Comment ça s'est passé pour vous, les petits loups? Et pourquoi mon gros Benkei? Tiens, tiens, comment on se retrouve? Ouais, grâce à ton excellent conseil. Tu nous as vraiment aidés. Ça veut dire quoi? Vous vous êtes déjà rencontrés, c'est ça? Oui, c'est lui qui nous a montré le chemin pour arriver ici. Exact. Je suis désolé. Je vous ai quitté un peu brusquement tout à l'heure, mais j'ai trouvé une plante très rare et je n'ai plus du tout pensé à vous. Quel genre de plante? Oh, une plante de montagne. Non, pas de chance, les gars, je n'ai vu personne. Ce n'est pas ce qu'il a dit tout à l'heure. Bon, on y va alors? Si vous voulez, je peux vous indiquer le chemin le plus court. Oh, ce serait formidable! Je me demande ce qu'il mijote, ce type. Patience, Jinga.
On arrive. Je sais que tu es dans le village de Koma. J'en suis certain. Yoma. Mais qui ça peut bien être, ce gars? Alors comme ça, tu serais tombé sur nous juste par hasard. Par simple coïncidence. Désolé, mais j'y crois pas.